Il est temps, c'est l'heure de casser vos mythes, vos idées reçues sur le démon Pazuzu. Je sais qu'il vous a terrifié durant votre enfance, mais vous avez été trompé. Dans le film L'Exorciste, sorti en 1974 par William Friedkin, on voit l'effigie de Pazuzu dans l'introduction et vers la fin du film, laissant supposer que c'est lui qui possède la petite fille. Que nenni ! Avant de tourner la vidéo, j'ai re-regardé le film et en fait, ben, il n'y a que le prêtre archéologue exorciste qui fantasme sur Pazuzu. Il découvre une tête de statuette de Pazuzu et passe un petit moment devant une grande statue de Pazuzu. D'ailleurs, t'as l'impression qu'il est complètement défoncé. En plus, il prend des cachetons avant, tu sais pas ce que c'est, mais moi je sais. Et à la fin du film, quand le prêtre vient exorciser la petite, ben, à un moment, il voit la statue, mais c'est tout quoi. À aucun moment, le démon dit que c'est Pazuzu. Il dit même que c'est le diable. Et c'est complètement différent. En plus, on voit à quoi il ressemble, le vilain démon. Avec des mini-screamers de sa tronche. Et il ne ressemble en rien à Pazuzu. Donc en fait, c'est complètement con. N'ayez donc plus peur de Pazuzu, parce que ce n'est pas lui qui possède la petite fille. D'ailleurs, il a même rien fait dans l'histoire. Mais qui est-il du coup ? Pazuzu est un démon secondaire de la Mésopotamie, provenant d'Assyrie, au premier millénaire avant notre ère. Voici sa description pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une créature hybride, mi-homme, mi-bête. Une tête plus ou moins humaine, mais avec une gueule animale. Genre celle d'un chien, un peu comme un bulldog, écrasé, avec la langue qui pend. Mais en vrai, c'est celle d'un lion. Son corps est de forme humaine, squelettique, souvent avec des écailles, les mains avec des griffes, l'une pointant le haut et l'autre le bas. Et un tout petit zizi! Bon, il est parfois représenté aussi avec la queue en érection, avec au bout une tête de serpent. Et là, pour le coup, c'est un bel engin. Il possède des ailes, une queue de serpent et trois orteils aux pieds. Sur les représentations, il y a une forme bizarre, un peu comme des anneaux pour l'accrocher. Je me demande à quoi ça sert. Bah c'est bien pour les accrocher en fait. La plupart du temps, on y trouvait des anneaux de fixation parce qu'on pouvait le mettre autour du cou ou accrocher dans une maison. La plupart du temps, dans la chambre d'un malade. Au dos de la statuette, il y a sa description écrite en cunéiforme. « Je suis Pazuzu, fils de Hampa, le roi des mauvais esprits de l'air, qui sort violemment des montagnes en faisant rage. C'est moi. » Quoi ? Oui, 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 je lis parfaitement bien le cunéiforme. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ça pose un problème ? Tu me crois pas ?»« Ben, vous avez raison. » Sur internet, on trouve plusieurs descriptions et je ne sais pas laquelle est vraie. Celle que je viens de lire est plutôt menaçante, comme si Pazuzu contrôlait les vents pour nous détruire. Mais voici une autre petite traduction qui l'est moins. Moi, Pazuzu, fils du dieu Hampa, je suis le roi des mauvais démons, Lilou. Je gravis la montagne puissante et furieuse. J'ai imposé au vent, au cœur desquels je me déplace, la direction de l'ouest. À chacun d'eux, je brise les ailes. Il a brisé le vent, il le contrôle. Mais pas forcément pour détruire. D'ailleurs, comme il le dit ici, il s'en sert comme moyen de transport. Mais il peut aussi briser les tempêtes qui frappent les hommes. C'est marrant, mais avec l'un des bras en haut et l'autre en bas, il me fait un petit peu penser à la représentation du Baphomet. Sauf que lui a quand même plutôt l'air menaçant. À notre époque, la plupart des gens pensent que c'est un démon mauvais pour les hommes. Alors que pas du tout, c'est un démon mauvais pour les démons, parce que c'est un démon protecteur. On a retrouvé de nombreux objets à l'effigie de Pazuzu. Le plus souvent, sous la forme de pendentifs ou de statuettes. Pour protéger. Mais pour protéger de quoi ? Enfin plutôt, de qui ? Eh bien, de sa femme. Et oui, si vous avez vu mon épisode sur Lilith, vous savez de qui je parle. De Lamashtu, la Lilith mésopotamienne. Qui n'est pas très très gentille d'ailleurs. Elle provoque des maladies, des fausses couches et enlève des enfants. Mais heureusement, Pazuzu est là pour l'en empêcher. Béni soit-il ! D'ailleurs, on trouve un genre de tablette en bronze avec la méthode pour la renvoyer en enfer. Notamment en invoquant Pazuzu, qui est d'ailleurs représenté tenant la tablette. En plus, la statue de Pazuzu ainsi que cette tablette sont exposées au Louvre. Une bonne raison pour y aller. Bon, après on trouve aussi des sites qui disent qu'il n'est pas tout gentil non plus. Et que les vents qu'il contrôle lui permettent de propager les pestes, la sécheresse pendant les saisons sèches, et les inondations pendant les saisons humides. Mais il est dit aussi qu'il protège contre les vents d'ouest pestilentiels.
Donc bon, je pense que comme toute divinité, il peut apporter des calamités s'il n'est pas satisfait de nous. Donc pas très différent d'un dieu lambda. Genre, je sais pas, le dieu biblique, qui a massacré tout le monde, sauf la famille de Noé avec le déluge, car il trouvait que les humains faisaient de la merde. Mais passons, Pazuzu aurait un côté divin que les autres n'ont pas, et ce serait pour cela que c'est le roi des démons mauvais. Sur le site Journal d'une démonologue, il est écrit que, d'après des textes bibliques, il était l'un des anges qui s'est rebellé, l'un des 14 lieutenants de Lucifer. Sauf que je ne retrouve cette information nulle part, ni dans la Bible, ni en associant Pazuzu et la Bible. Peut-être que ça vient encore du livre Le Prince de Seconde, comme j'en parle dans l'épisode sur Faust. Faudrait vraiment que je récupère ce bouquin pour voir ce qu'il en est. Et pour ça, vous connaissez la chanson. Like, partage, commentaire, abonnement, Tipeee, Utip pour la thune. J'espère que vous n'aurez plus peur de Pazuzu, et je vous dis... pas la prochaine, parce que voici une petite scène pour vous. Pour vous remettre dans le contexte, la veille du tournage, j'ai regardé le film L'Exorciste, du coup. Et lors du tournage, eh bien, il s'est passé quelque chose d'un petit peu étrange. J'ai eu un peu peur. Les images. Voilà, en gros, j'étais en train de tourner mon épisode sur Pazuzu, et il y a eu une mini panne de courant, en fait. Et en fait, le fait que les deux lampes s'éteignent, et que du coup, forcément, ben, l'écran s'affiche du noir, si telles les lampes s'éteignent. Sauf que moi, sur le coup, un peu dans la panique, je n'étais pas très très rationnel, je me suis dit, ah, mais attends, mais pourquoi toute l'électricité se coupe, même l'appareil photo, pourquoi, ah. Voilà, c'était un petit peu drôle après coup. Sur le moment, tu rationalises pas trop, mais bon, au final, les choses naturelles se passent, et puis parfois on se dit « Ah, c'est des démons, ils sont là !» Bref, je vous dis, à la prochaine.